Amen. Gloire à Dieu. On a pu se saluer ensemble, oui. Parler ensemble, voilà, prendre des nouvelles. Et puis, on va vivre un bon moment ce matin. Vous êtes d'accord avec moi? Puisque le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Et on va visionner un témoignage pour nous encourager. Après, on va se laisser conduire dans la louange, on écoutera la parole de Dieu, on prendra la scène. Et si vous êtes nouveau au milieu de nous, il est possible qu'il y en ait, soyez les bienvenus et soyez bénis. Amen. Je m'appelle Conrad. Et je vous présente Carole, mon épouse. Nous sommes mariés depuis 6 ans. Un jour, je rentre du travail. Je trouve devant la porte des voitures de sapeurs-pompiers, des voitures de police. C'était tout barricadé, c'était bloqué. Alors, je m'approche. Je veux rentrer dans la maison, une grande maison avec beaucoup d'appartements. Les policiers ils me disent, vous ne pouvez pas rentrer, c'est bloqué. Ils me disent un incendie a ravagé votre immeuble, votre femme est hospitalisée. Il y a un hélicoptère qui vient chercher votre enfant qui est en soins dans l'ambulance à côté. Je dis, mon Dieu, c'est quoi cette histoire? Je criais à Dieu, je dis, Seigneur, j'ai tellement mal. Ma fille est à 200 km dans une autre ville et ma femme, elle est en soins intensifs et là, je suis au milieu. J'ai jamais vécu ça. Du jour au lendemain, je suis dehors, pas un vêtement, pas d'habit, pas de... Mais qu'est-ce que c'est? Je disais, Seigneur, si tu ne m'aides pas, tiens ma main. Là, je ne sais même pas comment je vais faire pour prier. Et là, il n'y a qu'une petite parole, quelque chose vient dans mon cœur, une voix douce qui me dit, Conrad, ça c'est mon histoire, je m'en occupe. Je m'occupe, couche-toi, repose-toi juste dans mes bras. Il m'a trouvé en soins intensifs et quand je me suis réveillée, je me disais certainement je rêve. C'est un rêve, c'est un cauchemar qui va s'arrêter d'un moment à l'autre. Mais malheureusement, c'était la stricte réalité. Où est ma fille? La première question que je me pose, on me dit non, elle n'est pas dans l'hôpital où j'étais internée, elle est à 200 km. Et... voilà le début du cauchemar qui se présente à moi. Et je me dis, mais si vraiment elle s'en va, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Et finalement, l'enfant décède. Et je ne l'ai plus revu. Et je disais, Seigneur... je ne vais pas m'en sortir si tu me lâches. Que vais-je faire? Je disais, mais Dieu, je crois tellement en toi. Comment faire dans ce moment? Il y a la parole de le psaume 127 qui disait, si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent en vain ou alors travaillent en vain. Si l'Éternel le garde, ceux qui gardent la ville veillent en vain. Et il y avait encore un autre verset, Romains 8, 38, qui je disais, car je suis persuadée que ni la mort, ni la vie, et cetera, ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Et c'est comme ça que petit à petit, je ne sais pas comment je peux dire, des oppressions, la dépression m'a quittée. Ce n'était pas brusque, c'était tout doucement. J'ai arrêté les médicaments, plein de médicaments que je prenais tout doucement. Je suis sortie de l'hôpital, j'ai réappris à marcher, à écrire et tout. Le Seigneur nous a par la suite bénis avec 2 enfants, 2 petites jolies filles. Ça va tellement, tellement mieux que même quand je vois mon corps avec les marques. Mon mari me dit souvent, ce sont des plus beaux tatous. Je me dis, le Seigneur me sort de loin. Et au lieu de dire comment est mon corps, c'est vrai que souvent mon corps, je ne le reconnais pas, mais... je me réjouis parce que je vais la retrouver et nous aurons un corps céleste. Et la joie de la retrouver me donne l'envie de continuer. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous voulez bien vous lever ? Pour qu'on puisse célébrer ensemble le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom.
sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Comme un doux parfum déversé sur mon âme, sur mon âme. Entendons-nous, surmontons tout. Entendons-nous, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Que ton nom résonne en ce lieu.
son nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit d'impuissance, ô Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit ta puissance, ô Jésus. Jésus.
Devant lui prosterner, entonne ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié. Racheter, déchanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, déchanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Encore ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es.
ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Victorieux, le nom de Jésus, tu es.
Celles et ceux qui vont préparer le repas du Seigneur à s'avancer pendant qu'on va chanter ce dernier chant. Juste pour rappel, il faudrait que vous restiez assis pendant la distribution pour que ce soit plus simple, s'il vous plaît. Merci. Thank you.
va reprendre ce chant dans un esprit de prière et de reconnaissance. Et si vous voulez bien vous lever pour le chanter, avant qu'on se rende compte de ce qu'on chante, je me lève pour t'adorer. Et que nous puissions vraiment tous l'adorer ce matin, en esprit et en vérité, et que vraiment on lâche tout ce qui nous retient dans nos pensées, vraiment qu'on puisse le célébrer tous ensemble ce matin. Si précieux m'a pardonné, blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché, ma honte, et par cette alliance tu me restaures. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie épargnée par ta bonté, c'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Affermis mon cœur dans ta présence. Rends-moi la joie de ton salut. Attire-moi près de toi, sanctifie ma vie. Ton esprit fait toutes choses nouvelles. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie est épargnée par ta bonté. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Je me lève pour t'adorer. Ma vie est parée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Alléluia. Merci à nos bien-aimés qui nous ont entraînés dans la louange. Amen. Alors, mes amis, nous poursuivons nos réflexions sur le sujet des gens de caractère. Vous en souvenez ? Une question de caractère. Alors, on avait bien défini le fait qu'il ne s'agit pas d'avoir un mauvais caractère. Quand on dit parfois « Oh, il a un caractère » ou « Il a du caractère », finalement, c'est une manière de dire « il a un mauvais caractère » ou « elle a un mauvais caractère ». Mais ce n'est pas de cela dont je voudrais m'entretenir avec vous ce matin. Je voudrais parler des hommes et des femmes dont l'Église doit être dotée, à savoir des hommes et des femmes, des pères et des mères, des papis, des mamies, des jeunes convertis, des plus anciens dans la foi, qui ont du caractère pour les choses de Dieu. Et vous l'avez discerné depuis longtemps, il faut du caractère pour suivre Jésus. Il faut avoir du caractère, de la détermination, être résolu pour suivre Jésus de tout notre cœur. Alors, cette méditation repose sur l'étude du livre des Juges. Peut-être avez-vous relu, j'ai cheminé tout à l'heure pour venir dans l'église avec une sœur qui me disait ben, « ça m'a donné l'occasion de relire le livre des Juges ». Ben, j'étais content. Donc, relisez, si vous le voulez bien, le livre des juges pour bien entrer dans nos réflexions. Alors, le premier juge dont nous avons parlé l'autre fois, c'était Othniel. Super, Othniel.
Et je voudrais vous laisser deux instructions qu'on a tirées de notre méditation. La première, c'est qu'on peut tout perdre en une génération. On peut tout perdre en une génération. Dans le livre des Juges, il est dit qu'il est venu une génération qui ne connaissait pas Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Sans doute un manque de vigilance dans la génération précédente. Pour ne pas avoir su transmettre à la génération qui a suivi les commandements de Dieu, l'amour de Dieu. Et je voudrais vous laisser cela sur votre cœur, on y reviendra tout à l'heure, mais rien n'est jamais acquis sans vigilance. Rien, que ce soit dans notre vie personnelle avec Dieu, rien n'est jamais acquis sans vigilance. Aujourd'hui, ça va bien, on a peut-être remporté de belles victoires, tu t'es fait baptiser il n'y a pas longtemps. Attention, il faut rester vigilant, parce que demain, ça peut changer. Demain, les circonstances peuvent être différentes et seraient même susceptibles de te faire vaciller. Mais tu dois avoir du caractère pour Dieu. Et quelles que soient les circonstances que tu dois traverser, il faut aller de l'avant. Rien n'est jamais gagné sans vigilance. Au plan personnel, c'est vrai aussi, au niveau de ton couple, ce n'est pas gagné d'avance. Il faut être vigilant. C'est vrai pour notre église locale et c'est vrai pour la famille et tant d'autres choses. Prenons garde, frères et sœurs, de perdre du terrain et de voir, comme la génération qui a succédé à celle de Josué, tous nos acquis s'envoler. Prenons garde. La deuxième leçon aussi de notre méditation sur Othniel, c'est que des personnes de caractère pour Dieu doivent se lever dans l'œuvre de Dieu. Le premier juge ou le premier libérateur, Othniel, avait du caractère pour Dieu et nous avions souligné deux atouts le concernant. Le premier atout, c'est que l'onction de Dieu était sur lui. L'Esprit de Dieu reposait sur lui. Et notre prière, finalement, quotidienne, c'est de dire « Seigneur, ramène l'onction dans ta maison. Ramène l'onction dans ma maison. Ramène l'onction dans mon service. Ramène l'onction sur mon statut de papa, de mari ou d'épouse. Ramène l'onction sur notre vie. » Parce que sans onction, sans le fait que l'Esprit repose sur nous, notre service va manquer de caractère, justement. Et puis, le deuxième atout d'Othniel, c'est que il avait une foi conquérante. Il s'est emparé d'une ville qui s'appelle Kirjat Jefer, qui signifie la ville du livre. Et c'était donc assurément un haut lieu, là, cet endroit de l'idéologie cananéenne. Et Othniel a relevé le défi. Et il s'est emparé de ce haut lieu de l'idéologie cananéenne. Nous avons des défis à relever. Des hauts lieux d'incrédulité dans nos familles, des hauts lieux de résistance, de rébellion chez certains membres de nos familles, parfois nos enfants, des collègues de travail. Mais comme Othniel, nous voulons conquérir ces hauts lieux par la foi et dans le nom de Jésus. Et finalement, comme Othniel s'est emparé de cette ville, il a été récompensé et Caleb lui a donné sa fille Aksa en mariage. Et cette femme-là, elle était aussi dotée de cette foi conquérante, béni soit Dieu. Elle a demandé à son père un champ, et évidemment, il a craqué devant sa fille. Et elle a demandé les sources inférieures et supérieures, et elle a tout reçu, béni soit Dieu. Amen. On va parler d'un autre juge qui s'appelle Ehud, ou Ehud. Et j'ai intitulé notre réflexion de la manière suivante. Quand le faible devient fort. Quand le faible devient fort. Il y a eu un temps de paix pendant 40 ans grâce à la victoire d'Othniel sur le roi cananéen. Et nous découvrons, ça va s'afficher, dans le livre des Juges, chapitre 3, verset 12, le texte suivant. Après ces 40 années de paix, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel.
Et l'Éternel fortifia, alors je vais prononcer Eglon. Eglon, vous voyez, pas Eglon, mais Eglon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Et ce qui doit nous interpeller, ça m'a interpellé quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, il y a un mot de trop. Encore. J'ai envie de dire, c'est plus fort qu'eux. Au lieu de se réjouir avec Dieu, d'accomplir la volonté de Dieu avant toute chose, au lieu de faire en sorte d'être agréable à l'Éternel, de le célébrer de tout leur cœur, de l'adorer, ben ils se sont laissés attirer une fois de plus par les cultes de leurs voisins païens. Et les cultes païens étaient des cultes affreux, abominables. On adorait les puissances de ténèbres, parfois même on sacrifiait des enfants à la divinité. Et voyez-vous, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu 40 ans. Et au bout de ces 40 ans, eh bien, il y a eu un relâchement. Et finalement, il n'avait certainement pas mis les choses de Dieu en premier. Progressivement, écoutez bien, sans même s'en apercevoir, progressivement, ils se sont relâchés jusqu'à la chute. Je vais vous dire une chose. D'une manière générale, une chute spirituelle ne vient pas subitement. D'une manière générale, du jour au lendemain, comme ça, tiens, il a chuté, tiens. Une chute est souvent précédée d'une période de déclin, une période de relâchement, d'indulgence exacerbée envers soi, une période de compromis. Et mes amis, cela nous invite à réfléchir sur nos propres vies. Il n'y a pas le choix, où on avance avec Dieu ou on recule. Et il n'y a pas besoin d'attendre longtemps. Dans notre texte, il a fallu attendre 40 ans pour qu'il y ait le basculement dans le mauvais sens. Mais vous savez, on ne sait pas de quoi sera fait. Qu'est-ce qui va se passer dans 4 mois pour nous? Peut-être qu'on va se relâcher. Dans 4 semaines? Dans 4 jours? C'est pourquoi il faut être très vigilant. Et j'ai envie de dire ceci. Il y a comme un Eglon qui est à l'affût pour chacun de nous, un Eglon. Un Eglon qui veut s'emparer de nous. La colère peut-être, l'amertume, la frustration, le mécontentement. Une femme aguicheuse dans ton travail, un Eglon qui veut dominer ta vie, ou un homme aguicheur, alors que Dieu nous soit en aide les uns et les autres. En tous les cas, ce qu'on peut dire dans notre texte, c'est que à cause de son relâchement, le peuple de Dieu a été soumis à la domination d'un autre roi païen, et c'est écrit au chapitre 3, verset 14, le roi Eglon. Ce qui veut dire que quand Dieu n'est plus notre véritable maître, eh bien, mes amis, c'est automatiquement un autre maître qui va prendre sa place. Mais maintenant, béni soit Dieu, Israël s'est à nouveau ressaisi. Et nous lisons au chapitre 3, verset 15, le verset qui va s'afficher. « Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. » À un moment donné, quand on subit la domination d'un Eglon, on en a assez. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire « j'en peux plus, j'en peux plus, je crie à toi Seigneur, je demande même à l'Église de prier pour moi, j'en peux plus, cette domination-là est insupportable, je sais que j'y suis pour quelque chose, je me suis relâché, j'ai fait une mauvaise chose, je le sais, je te demande pardon Seigneur, mais je crie à toi pour que tu me libères. » J'en peux plus, alléluia. Quand on passe par cette phase-là, c'est déjà une victoire. Amen. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur, Ehud, fils de Guéra, benjaminite, qui ne se servait pas, écoutez bien, de la main droite. Ce qui veut dire que Ehud
était gaucher. Alors rassurez-vous tout de suite, hein, Dieu vous aime même si vous êtes gaucher, on est d'accord, hein. Mais Éhoud, est-il dit dans le texte, ne se servait pas de sa main droite, donc il était gaucher. Et dans le langage biblique, ce qui fait référence, ce qui fait la norme, c'est la droite. Par exemple, dans la consécration du sacrificateur, le livre de l'Exode nous enseigne que le sang et l'huile devaient être appliqués sur le lobe de l'oreille droite. Sur le pouce de la main droite et sur le gros orteil du pied gauche. Il n'est pas fait du pied droit. Voilà, vous me suivez, super, hein, je suis content. Il n'est pas fait référence à la gauche parce que la norme, c'est la droite. Et puis, quand on lit l'Écriture, on se rend compte aussi que la droite fait référence à la force, à la puissance. Par exemple, il est écrit « Assieds-toi à ma droite, sauve par ta droite ». Le problème, c'est qu'Éhud, il est gaucher. Et Dieu va s'en servir. Et je crois que le texte biblique veut nous faire entrevoir quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose d'anormal, finalement, chez Éhud. Il y a une faiblesse, il y a une anomalie. Et ça veut dire quoi? Une chose très importante pour chacun de nous. Dieu se sert des gauchers. Mais comprenez-le dans le sens spirituel du terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu se sert des gens qui ne s'appuient pas sur leur droite pour réussir. Leur droite, c'est-à-dire leur compétence, uniquement. Leur force de caractère uniquement, leur chair uniquement. Non, Dieu se sert de gauchers qui ne se reposent pas sur leur droite, mais qui comptent avant toute chose sur le Dieu vivant et vrai, qui va les qualifier, alléluia, et les revêtir de puissance. Je vous avais parlé de cette expérience qu'a faite un jour un frère, c'était un homme de haut niveau, au plan intellectuel. Il était ingénieur de haut niveau. Il fréquentait une assemblée dans la ville de Paris autrefois avec un prédicateur qui s'appelait Monsieur Fauvel. Un homme, un orateur, vous voyez, un orateur, vraiment. Et cet homme ingénieur appréciait le message de l'orateur parce qu'il savait comment... Il allait un peu tourner les choses, il disséquait le plan de l'orateur, cet ingénieur, il disait « oui, il va passer par là, c'est logique, c'est cohérent, oui, conclusion, très bien ». Voilà, mais il ne se convertissait pas pour autant. Et un jour, M. Fauvel devait aller faire une mission ailleurs, il s'est fait remplacer, oui, par un frère gitan. Et donc le frère gitan, et on les aime, alléluia, y a-t-il un gitan au milieu de nous? On vous bénit. Alléluia, Baron Devel. Et le frère gitan a prêché. Mais le problème, c'est que l'ingénieur a perdu tout repère. Il s'est dit, mais où est l'intro? Où est le... Je ne vois pas pourquoi il passe par là. Mais, pourquoi... mais qu'est-ce que c'est? Il ne comprenait pas, il ne suivait pas, finalement. Incroyable. Ce jour-là, cet ingénieur s'est converti à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y avait une onction. Il y avait l'onction qui a fait la différence. Et ce gitan ne s'est pas appuyé sur sa droite, mais il a fait confiance à Dieu. Et certainement qu'il a dit, « Oh là là, moi, remplacer M. Fauvel, moi, ben Seigneur, aide-moi. Revais-moi. Je vais compter plus sur toi que sur moi, parce que si je compte sur moi, c'est rien du tout, je peux rien. Mais je vais compter sur toi. » Et parce qu'il l'a exclusivement compté sur le Seigneur et qu'il était dépendant de Jésus, Dieu l'a béni. Quand tu offres ton service à Dieu, c'est dans cet état d'esprit-là qu'il faut se situer. Quel que soit ton service, si tu ne comptes que sur toi, sur ta droite, sur tes compétences, il va manquer quelque chose. Dieu veut se servir des gauchers. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la Bible dit « Quand je suis faible, alors je suis fort. »
Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans la médiocrité. Je ne suis pas en train de vous dire que Dieu veut travailler sur la base de notre médiocrité. Ce n'est pas ça. Parce qu'il y a un texte dans l'Écriture qui nous montre que Dieu utilise les gauchers pour les rendre performants. Et on va lire ce texte, il va apparaître au chapitre 20, verset 16, dans le livre des Juges. Et je vous lis notamment dans la version La Bible du Semeur. Écoutez bien. Dans cette troupe, il y avait 700 soldats d'élite gauchers. Écoutez, tous capables de toucher un cheveu, ils auraient eu du mal avec moi, hein, tous capables de toucher un cheveu sans le manquer avec une pierre de leur fronde. C'était des gauchers, mais que Dieu avait équipés. Et le Seigneur, alléluia, veut lever au sein de son Église des hommes et des femmes qui ne comptent pas sur leur droite. Ils ont réalisé qu'ils sont faibles en réalité pour les choses d'en haut, les choses de Dieu. Donc, il va utiliser les gauchers que nous sommes en nous qualifiant pour nous rendre performants afin de faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Et c'est là que ça marche. C'est là que ça marche. Quand on commence à s'appuyer sur le bras de la chair, on est mal. Que Dieu nous soit en aide, quel que soit notre service. Amen. Alors que va faire Éhud pour libérer le peuple de la domination d'Églon? Au chapitre 3, on va lire verset 15, deuxième partie du verset jusqu'au verset 22. Et je vais dégager deux vérités très simples de ce texte. Nous avons compris que Israël s'était relâché. Il y a eu une domination insupportable avec un roi païen, le roi Églon. Israël en a assez, il va crier à l'Éternel. Dieu va susciter un libérateur, un gaucher qui va s'appuyer sur Dieu. Et voici ce qui va se passer. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui, donc par Éhud, un présent à Églon, roi de Moab. Éhud se fit une épée à deux tranchants longue d'une coudée, 50 cm à peu près, et il la ceignit sous ses vêtements au côté droit. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très gras. Il représente, voyez, la chair dans toute sa splendeur. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qu'il avait apportés, et Éhud revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal, et il dit « Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. » Le roi dit « Silence !» Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Éhud l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre d'été, et il dit « J'ai une parole de Dieu, pour toi. » Alors Églon se leva de son siège. Vous l'imaginez, le bonhomme qui se lève de son siège. Éhud avança la main gauche. Il tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame et la graisse se referma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. On est dans le livre des juges, hein ? C'est particulier le livre des juges. Mais je voudrais quand même tirer deux leçons spirituelles de cette affaire. La première leçon est celle-ci, écoutez bien. Vous l'avez remarqué à la lecture du texte. Éhud a mené un combat pendant un premier temps seul. Le combat que Éhud a mené dans un premier temps est un combat qu'il a mené seul, contre l'ennemi. Il y a des combats que les autres ne peuvent pas mener pour nous. Et tout comme Éhud avec Églon ou Jésus dans le désert, seul contre Satan, nous avons aussi
à mener des combats face à nos ennemis dans des moments qui n'ont pas de témoins. On est seul. Par exemple, un étudiant chrétien qui va dans une université, dans une ville qui n'est pas la sienne, loin de son église habituelle, loin de sa famille, loin de ses amis. Finalement, il va sans doute être tenté par toutes sortes de choses et subir toutes sortes de pressions. Il va devoir mener son combat seul. Et quand on remporte des victoires sans aucun témoin, il n'y a personne pour nous aider finalement, personne pour nous encourager, nous exhorter. On est seul dans le combat. Mais quelle glorieuse victoire! Et mes amis, ce type de combat, nous devons le mener les uns et les autres. Il y a des moments où les frères et sœurs ne seront pas là. Ni notre conjoint, ni notre pasteur, ni notre église. On est seul face à l'adversité, face à l'ennemi. Tu es seul devant ton ordinateur, tout le monde est couché. Et voilà que là, tout à coup, tu as une femme, poum! Qu'est-ce qu'elle vient faire là, elle? Vous comprenez ce que je veux dire? Une sollicitation. Tu es seul. Tu es seul. Et il t'appartient, en tant qu'enfant de Dieu, de cliquer ou de ne pas cliquer. Tu es seul. Personne ne te voit. Ton église n'est pas là. Là encore, tes amis ne sont pas là. Ta femme n'est pas là. Personne. Tu es seul à mener ton combat. Et le diable, il est en train de te tenter. Il te sollicite. Alors que tu es seul. Et comme Ehud, il faut remporter la victoire. Alléluia. Et puis, tu es dans ton travail et ton patron te propose des combines pour duper les clients. Les chrétiens ne sont pas là, tu es seul. Tu es avec ton patron, personne ne te voit dans l'église. Dieu est là, heureusement. Mais tu dois mener un combat seul et tu dois prendre position seul devant ton Dieu. Donc il est clair qu'il y a des combats que les autres ne peuvent pas mener à notre place, on est d'accord. Et c'est ça qui intéresse le Seigneur aussi. Quand on est seul, où est notre mesure de fidélité? Comment réagissons-nous alors que nous sommes seuls? Est-ce que notre piété est là, toujours présente? Comment menons-nous ces combats lorsque nous sommes seuls? Maintenant, s'il est des combats qu'on doit mener seuls devant les ennemis, béni soit Dieu, il en est d'autres qu'il faut mener ensemble. Et nous lisons chapitre 3, versets 26 à 28, ceci, ça va apparaître, versets 26 à 28, « Ehud prit la fuite, donc il a enfoncé sa petite épée dans le ventre d'Eglon. Eglon s'écroule, Ehud s'enfuit, il prit la fuite, dépassa les carrières et se sauva à Seïra. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendirent avec lui. » Ah, il n'est plus seul, ça y est. « De la montagne, et il se mit à leur tête et il leur dit, suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis, béni soit Dieu. » Il y a des combats qu'on doit mener seul, mais pas tous les combats. Alléluia. Et heureusement que nous avons une famille, une église locale à laquelle nous sommes rattachés avec des frères et des sœurs qui peuvent nous dire, tu n'es pas seul dans le combat. On est avec toi. Alléluia. Des frères et sœurs qui prient, certains qui prophétisent, qui communiquent une parole de Dieu, des ministères qui sont là, béni soit Dieu, des hommes et des femmes qui encouragent. On a une famille, on a une armée, on ne mène pas le combat toujours tout seul. Il y en a où nous sommes seuls, mais il y en a d'autres où, merci Seigneur, on est au bénéfice du ministère de l'Église. À Dieu soit la gloire. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que la parole de Dieu représentée par l'épée d'Ehud est une parole qui met à mort l'adversaire. Eglon ne s'est pas présenté devant... Pardon,
Éhoud ne s'est pas présenté devant Eglon sans être armé. Et il est évident que si nous, enfants de Dieu, on n'est pas armé spirituellement, on est mal. Et c'est pourquoi c'est important que, par exemple, cette semaine qui va venir, on soit tous, vous et moi tous, sérieux avec Dieu. Parce qu'il y a des aiglons partout, à l'affût, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ils sont là. Il faut qu'on soit armé de la parole, rempli de l'esprit. Sans quoi on va vaciller. C'est le seul moyen de s'en sortir. Et si nous sommes armés de la parole de Dieu, si vraiment nous aimons la parole, nous savons la manier, si nous la lisons, la méditons, l'étudions, la mémorisons, si nous sommes de ceux qui mangent comme Jérémie la parole de Dieu, non pas littéralement mais spirituellement parlant, alors nous avons une force en nous. Et nous ferons face à tous les aiglons, quels qu'ils soient, avec l'épée de l'esprit qu'est la parole de Dieu. Alléluia. En étant revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et voyez-vous, nous avons envie de dire comme Eglon à l'ennemi de nos âmes qui ne cesse de vouloir injecter en nous des pensées souillées, qui ne cesse de vouloir nous noyer dans la dépression, qui ne cesse de faire pression pour qu'on se relâche, qu'on se détourne de Jésus, de la croix. Ça, c'est l'œuvre d'Eglon. L'ennemi qui ne cesse de faire cette pression constante dans notre vie. Mais cette semaine, bien-aimés, nous allons dire à l'ennemi de nos âmes, « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Et nous allons frapper, alléluia, les mensonges de l'ennemi. Toutes les tentatives de culpabilisation de l'ennemi. Tout ce qu'il va essayer de faire pour que nous nous relâchions. Nous allons lui dire, « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Tu es vaincu, alléluia. Et je n'ai pas à être dominé par toi, je suis un enfant de Dieu et je bénis le Seigneur. Alors je vais mettre à mort la pornographie, alléluia. Elle est morte, il y a une parole de Dieu pour toi. Pornographie, tu es vaincu et je te frappe, alléluia. L'aigreur. La dépression, la frustration, la culpabilité, la dévalorisation, le mépris de soi. Eh bien, au nom de Jésus, j'ai une parole de Dieu pour toi. Et je vais te frapper au nom de Jésus avec cette parole de Dieu pour que je sois libéré au nom de Jésus. Et vous savez quoi? Ça marche. Amen. Ça marche, alléluia. Cette semaine, nous allons remporter des victoires. Dans le nom de Jésus, alléluia. Il y aura des combats à mener seuls, bien-aimés. Seuls. Et c'est là qu'il ne faut pas craquer, vous et moi. Parce que c'est là que se vérifie l'authenticité de la véritable relation que nous avons avec Dieu. Quand on est seul, dans notre combat, mais Jésus est là pour nous secourir dans sa bonté. Oui, non, jamais tout seul. Jamais Jésus ne te laissera seul. On chantait ce chant hein, autrefois, c'est une réalité. Quand bien même nous serions seuls dans ce combat, il est là avec nous pour nous aider. Béni soit Dieu. Et puis on va frapper toutes les tentatives de l'ennemi visant à nous vaincre les uns et les autres. Que Dieu soit béni. Le faible devient fort. Eh bien, finalement, oui, comme l'apôtre Paul, on peut encore dire, je suis faible en moi-même. C'est vrai, je suis faible. Que puis-je faire? Pas grand-chose, Seigneur, mais tu es là. Et c'est quand j'ai compris ma véritable faiblesse que tu me fais devenir fort, parce que il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui puisses me sortir de là. Il n'y a que toi qui puisses me qualifier. Il n'y a que toi qui puisses me revêtir. Il n'y a que toi qui puisses me faire me relever ma tête. Il n'y a que toi qui puisses me rendre compétent. Il n'y a que toi, Seigneur. Qu'il s'agisse des choses matérielles, qu'il soit spirituel, des choses de la famille, dans le couple, avec les enfants, dans mon travail, partout. Seigneur, je suis faible, mais tu me rends fort. Et je veux être comme un Éhud. Oui, je suis un gaucher, mais tu vas faire de moi
une élite. Amen. Des gauchers d'élite. Alléluia. Gloire à Dieu. Des gens performants pour le royaume de Dieu. Tellement nous comptons sur la main de Dieu pour faire la différence. Alléluia. Nous voulons faire la différence au nom de Jésus. Fais la différence au nom de Jésus et sois un Éhude au nom de Jésus. Alléluia, on se recueille ensemble. Merci Seigneur. Ta parole est bonne et on se sent petit, mais tu es là. Alléluia. Tu veux des hommes et des femmes de caractère pour toi quand on est seul face à l'ennemi. Quand il nous menace, quand il nous séduit, essaie de nous séduire. Seigneur, la réponse, elle n'appartient pas à nos frères, à nos sœurs, à nos bien-aimés, elle nous appartient parce qu'on est seul. Et on va mener ce combat victorieusement pour ne pas nous laisser dominer par Eglon au nom de Jésus. Tu vas nous aider à mener aussi les combats ensemble. Au nom du Seigneur, dans l'Église, on ne veut pas prendre de la distance par rapport à notre Église. Au contraire, on veut y apporter notre pierre. On se sent solidaires les uns des autres. On sait que tout seul, on ne s'en sortira pas. On a besoin d'une famille. Alors bénis notre relation fraternelle les uns avec les autres et fortifie notre assemblée locale, s'il te plaît, Seigneur, que nous soyons une armée constituée de soldats vaillants, une élite des gauchers, mais qui font partie de l'élite. Alléluia. Merci, notre Dieu. Merci de nous donner la force d'utiliser ta parole et comme Éhoud, et de dire à l'ennemi, j'ai une parole de Dieu pour toi. Va-t'en, tu es vaincu. Tout ce que tu essaies de me faire, ce dont tu essaies de me persuader, ce n'est que du mensonge. J'ai une parole de Dieu pour toi. Je frappe ces mensonges, alléluia. Toutes les tentatives de séduction, de dépression, de pensées négatives ou autres, je frappe ces choses par l'épée de la parole, alléluia, afin que ces choses tombent à terre et que je sois libre. Aide-nous cette semaine, aide-nous dans les mois à venir, fais de nous des Éhoud, Seigneur, avec ta grâce et ce dans le nom précieux de Jésus notre Sauveur. Amen, amen, alléluia, amen, amen. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse tous. Voilà, pour terminer ces moments ensemble, on va chanter ce chant qui s'appelle « Écho ». Et alors, si on a la tentation d'être découragé cette semaine, qu'on se rappelle que Dieu il est toujours avec nous, en fait, et qu'il faut persévérer. L'angoisse surgit, enfant tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragé, Dieu tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Tu es avec moi, ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, c'est un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, c'est un écho. Écho en mon âme. Renouvelle tes promesses envers moi.
peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter? Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je veux persévérer. Tu es avec moi, tu es avec moi. Ton amour m'environne dès les plus hauts. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Alléluia, un grand merci à tous nos bien-aimés qui nous ont entraînés dans la louange. Quelques annonces avant qu'on ne se quitte. On salue tous les amis visiteurs. Y en a-t-il au milieu de nous qui lèvent la main, qu'on les voit, qu'on les salue? Y en a pas là-bas? Si? Non? Vous ne levez pas de main? Donc, ah ben voilà, on est de la famille, tous ensemble. Alléluia. Alors, quelques photos de ce qui s'est passé hier après-midi. On a eu un super moment entre les jeunes et les aînés, avec, il y a un petit loto sympa là, c'était très très bien, et puis un petit goûter avec la galette des rois, elle était excellente, et puis à 3, 1, 2, 3, béni, alléluia, bon retour, et peut-être Dieu voulant, à 16h cet après-midi. Addiction starts to break. Declaring